Et salut, c'est Bledouche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo parce que au départ, je vais faire une vidéo, sauf qu'il y a eu un bug au niveau de la mise en ligne. Donc, je suis obligée de la refaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un passage secret très connu, mais très complexe. Alors, il faut aller là. Donc il faut là, alors c'est dans le très mauvais ordre ce que j'ai fait, mais il faut non, voilà, non, voilà. Bon, là, si vous avez vu la vidéo précédente sur ça, ok, donc c'est bien. Si vous l'avez pas vu, donc voilà, là on vient de voir le passage secret. Ah mince, excusez-moi. J'ai perdu l'habitude. Non, oh là là là. Ah non, j'arrive plus. Ne vous inquiétez pas, je vais réussir. Oh là, non! Hop, oh, bon, on va recommencer. Encore une fois. Voilà, j'ai enfin réussi. Donc là, on a le passage secret. Là, j'ai mon levier. Ça va être comme mon piston, il se referme trop vite. Je suis obligé de le désactiver. Là, je vais reprendre tout ce que j'ai. Donc, alors là, vraiment désolé si vous voyez rien. Parce qu'en fait, je joue pas sur la même télé que sur l'ancienne vidéo. Donc, il semble que vous voyez pas grand-chose. Mais je suis sincèrement désolé. J'essayerai de peut-être changer la vue. J'essaierai de changer la vue. Parce qu'en fait, elle a plus de puissance, cette télé, et c'est plus difficile. Enfin, c'est sûr qu'il y a une qualité d'écran meilleure hein, sur la télé, mais après, c'est pas une super bonne qualité. Donc, je vais devoir faire cette vidéo en deux parties parce qu'elle est longue, très très longue. Donc, pour la première partie, on se retrouve tout de suite pour la construction, donc à tout à l'heure. Et donc on se retrouve pour la partie de la construction sur le terrain. Donc j'ai choisi un terrain enneigé. Alors là, ce que vous voyez, toutes les poutres là-bas, ça sera un arène. Hein. Je vous ferai la présentation, ne vous inquiétez pas. Donc vous aurez besoin, comme on peut le voir, d'une torche de redstone, d'un répéteur de redstone, d'un piston collant, d'un levier, un comparateur de redstone, de la redstone, de la pierre, d'un coffre piégé et des entonnoirs. Donc, on va commencer d'abord par mettre 4 pistons comme ça. Après, on va mettre 4 cubes. Comme ça. Ah, pardon, un cinquième. Pour que ça fasse allumer. Déjà, on a ça en fait. Donc là, vous mettez ça et ça, c'est pour la suite, ça, ne vous inquiétez pas. Le piston. Alors, on va mettre les cailloux. Je sais pas, on va d'abord désactiver ça parce que ça me saoule. Donc le passage secret est là. Donc, vous devez mettre une espèce d'escalier. Bon, là je l'ai fait hyper serré, mais faut pas le faire trop serré non plus. Donc voilà, donc là ça doit donner ça. Là ça marche pas, c'est normal hein, mais quand j'active, et on voit la redstone qui marche. Donc là, si je mets le voilà, notre mécanisme est opérationnel. Ça c'est pour l'entrée-sortie de à l'intérieur du passage secret. Après, pour la sortie du passage secret, voilà, comme ça, ouais, on descend, on va même descendre tout de suite. Il faut creuser. Ah oui, mince, j'avais oublié qu'il fallait des dalles. Donc on creuse deux, vous mettez un coffre, vous mettez en sneak, vous mettez deux entonnoirs et vous restez en sneak et vous mettez une dalle. Après, vous creusez deux comme en longueur. Vous mettez un comparateur, un répéteur en cas encore, et de la redstone. Après, là, vous reliez, c'est assez simple. Voilà.
Donc là, le truc qui est normalement le. Il est opérationnel. Donc. J'ai fait une bêtise. Non, voilà, c'est bon. Donc là, il n'y a rien qui gêne. Tac, tac, tac. Voilà. Donc. En fait, j'ai pas besoin de couper la vidéo. Je pensais qu'elle serait plus longue parce que j'ai fait très vite. Hein. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Donc vous mettez un truc comme ça. Bon là, bon, on va mettre parce que là j'ai triché un petit peu. Hein, il y a voilà, tchac, 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 tchac. Voilà. Donc là, on est vraiment, vraiment comme si on était dans le passage secret. Alors là, on peut rien dire. Donc, on va mettre la dalle. En fait, ça me gêne. On va recommencer. Non, je suis ailleurs. Non. Voilà, il marche. Donc là, normalement, vous avez votre tunnel juste ici. Et là, de l'intérieur, vous pouvez refermer votre tunnel et le rouvrir. Et après, vous passez comme ça, vous le refermez. Et après, donc là, moi, j'ai pas donné d'accès au coffre, mais vous pouvez en donner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez ou abonnez-vous, c'est toujours mieux. Ciao, ciao!